Hey, c'est YouTube. On se retrouve pour la suite d'autres aventures sur Planet Zoo. Et ouais, attendez, je me mets pause parce que toujours des problèmes de lag. Qui vient, je suppose toujours d'ici. Hein. Du coup, ici, on avait mis il y a très longtemps, si vous vous rappelez, des ans ou temps. Ok. Okay, j'ai l'impression d'en avoir mis peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Du coup, je pensais. Partir. Alors, je pensais partir là sur des grizzlies ici. Après, je pense qu'à côté on pourrait mettre des ours. Et ici partir sur tout ce qui est peut-être singe et tout ça. Peut-être gorille, ouais, gorille, singe et tout comme ça sur cette lignée-là. Et de ce côté-là, peut-être partir plutôt sur tout ce qui est animaux d'Afrique, donc lion. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'animaux justement comme ça. Vous avez bah, le guépard, jaguar, le lion d'Afrique de l'Ouest, le lynx. Mandrille, ça pourrait être dans la lignée. Les orang-outans, bah, je crois que c'est ce qu'on a posé. Ouais, il y a même les ours. Panda, je pense qu'on va plus se mettre de l'autre côté là où on a tous nos trucs panthère des neiges. Mais je pense que la panthère des neiges, parce que là on est plutôt sur des animaux type, alors, je vais pas dire totalement aquatique, mais enfin si ce côté là, si est-ce que là on a les otaries et tout ça, donc après peut-être ici partir sur un peu aquatique. Mais la panthère des neiges peut-être la mettre en boue, tu vois, qui pourrait être concordance un peu avec les deux. Je pense que ça pourrait être possible. Le seul problème c'est que voilà, je peux le faire partir tout droit. Après je pense qu'on va faire un autre type de petit parc comme ça, parce qu'on a d'autres types de visites d'animaux qu'on peut mettre dans une zone libre. Mais du coup pour éviter de mettre tout type d'espèces, parce qu'on a quand même déjà pas mal d'espèces ici. Hein. Mais tout rassembler, ce qui sera pas vraiment cohérent. Mais tu vois, ça fait type un petit peu parc naturel, donc je pense qu'on pourra peut-être en mettre un ici. On mettra pas des lions forcément dedans, c'est sûr. Ça pourrait être sympa en vrai. Alors, attendez. On va repartir sur une clôture. Par contre, attends, fallait juste que je regarde. Je crois que ça va être ouais, le plus puissant. Ça, c'est l'anti-escalade. Non, il me parle pas de... Attends, je peux en mettre combien dedans? Un mâle et une femelle, basique. Ouais, je pense que là, je vais mettre le truc le plus blindé que je peux s'y avoir. Résistance de 6, je crois que ça va être le max, hein, 6. Hein. Et alimenter en électricité. Ouais, non. Partir sur du béton, du beau béton. Parce que, à mon avis, eux, ils ont de la force. Hein. Donc. Attends, non. Je vais partir à peu près sur voilà, le même à peu près, hein, bien sûr. Le même espacement. Hop. On va partir. Attends, par contre, me fais pas un truc aussi. Non. Hop. Ouais, tu vois, on va partir sur un truc comme ça, mais... Ouais, vas-y, on va faire comme ça. Hop. Alors, pas forcément faire un truc très très grand, parce qu'on a l'habitude de faire des trucs immenses, mais là, on n'en a pas forcément besoin. Ah, tu vois, on prend la moitié, à peu près la moitié. Hein, du 1, 2, 3, 4. Je pense 4, ça dure. Ah, 5, allez. Parce que c'est pas que bon. Ah, ça me paraît petit, mais bon. Après, ils vont pas être beaucoup dedans. Attendez, est-ce que normalement. Ouais, voilà, c'est cela. Vitre avec. Vitre avec fenêtre. Voilà. Si je bouge pas, normalement, je reste droit. Voilà, je peux même le placer comme ça pour faire. Ok, il m'a pas du tout posé avec les vitres en fait. Okay. Ok, en fait faut que je les pose comme ça, pardon, ok, pardon. Par contre il y a de fortes chances que j'ai pas d'électricité ici, mais ça va pas être un souci je pense. Ça va être un souci juste pour je pense. Non mais lâche-moi, merci. Juste on va dire pour l'électricité, pour les écrans d'information.
Vas-y, je vais poser comme ça parce que je vois que t'es un emmerdeur, mais. Parce que après mes services sont ici. Oui, j'ai pas. Les murs ne sont pas. C'est vrai que sur le plan. Hop. On va le mettre ici. On a dit qu'on mettait quoi, pardon? Des grizzlies, hein. C'est ça? Ouais. Habitat. Donc ici, on va les appeler. Enfin, on va les appeler. Les grizzlies. J'ai fait ça, mais je sais même pas s'il y en a en vente en fait. Oh, j'espère quand même. Voilà. Un peu cher lui, non? Ah, bah, je vais les acheter avec de l'oseille parce que j'ai plus de l'oseille qu'autre chose. Allez, je vais prendre la femelle. Ils sont en très mauvaise santé là, enfin. Ah, mais le mâle, je suis obligé d'acheter un mâle cher là. Oh, cher. Quand j'y penserai, il faudrait que je vende tous les animaux que j'ai là en stock. C'est vrai que. Hop. Alors. Là, déjà, on supprime. Ah, le problème, les chutes de FPS dans la zone là, à cause de mon safari là, c'est un peu embêtant. Alors. On va faire un petit coin. Un petit coin haut. Je ne sais plus où je vais mettre. Je pense comme ça. Hop. Non, est-ce que je me replay pour que les animaux arrivent quand même, parce que sinon c'est un peu. Hop. Genre comme ça, tu vois. Enfin, quand ça voudra, hein, bien sûr. Ouais. Enfin, je vais juste mettre pause le temps que je fasse ça, parce que. Ok. Allô? Oh, c'est une blague là! Non, c'est bon, ça recule. Hop! Alors, ça n'a pas forcément fait ce que je voulais, mais bon. Ok. Non, alors toujours pas. Attends. Du coup, attends, je. Voilà, comme ça. Voilà. On va mettre un peu d'eau, on va mettre au calme. Ouais, j'ai connu mieux, mais pourquoi pas. Alors, on va aller dans Habitat. On va chercher tout ce qui concerne les grizzlies. Ok, attendez. Juste que je trouve ça. Ok, j'ai 6 animaux qui se sont barrés. Ok, attends, il y a un mur qui a dû être pété. Attends, normalement, si j'appelle directement là. Non. Voilà, mécano. Parce que j'aurais juste voir où est-ce que c'est ouvert en fait. Parce qu'il me dit qu'ils sont dehors, mais en fait. En fait, il n'y a rien qui est cassé en fait. Capturer l'animal, ouais. C'est du que je vois pas trop où il est. Ok, en fait il était. Et il l'emmène où là? Ah, par contre je sais pas comment il a fait pour passer de l'autre côté en fait. J'avoue que là je ne sais pas. Ok. Ah non, en fait les autres ils ont juste faim en fait, pardon. J'ai appelé le mécano pour rien. Je me suis un peu trompé. Non, soigneur, pardon. Oh, c'est bon, ça va pas valider le veto. Ok. Ils ont faim. Et pourtant j'ai deux soigneurs hein, qui s'occupent d'eux. Ils sont le mec qui est pas capable de venir. Ok. Bon. Alors Grizzly. Mais qu'est-ce qui se passe? Et comment il fait pour entrer dans la cuisine? Okay, attends, je vais taper ton soigneur comme ça, il va peut-être te donner à manger. Je ne sais pas en fait. Et en fait, il passe dans les cuisines.
Les cuisines du truc, c'est... Je ne comprends pas trop comment c'est possible. Peut-être parce qu'ils sont plus jeunes. Hop. Non mais les lags, c'est ignoble. Hop. Ok. Alors. Je vais leur mettre des trucs déjà pour qu'ils dorment. Ouais, je vais en mettre un grand. C'est le plus grand ça? Ouais, ça a l'air. Hop. Alors. Oh, on peut le caler là en vrai. Ah, mais par contre, je vais peut-être juste le baisser un peu. Hop. Voilà, ça c'est beau ça. Hein. Hop. Ça en fait, ça va à peu près à tous les animaux, la petite paille. Pourtant, j'ai quand même baissé des éléments graphiques hein, du jeu. Mais ça a jamais résolu les problèmes de lag comme ça. Je pense que c'est l'enclos qui est trop grand à côté. Parce que c'est dès qu'on a fait le safari en fait que ça a fait de la merde. Alors est-ce qu'il faudrait que je le refasse, que je modifie un peu des trucs? Oh! Ils sont arrivés. Alors. Visuellement, l'enclos est un peu grand pour. Je dis ça, je dis rien, tu vois, mais. Visuellement quoi. Alors je vais te mettre plutôt de l'herbe courte, parce que je vois que c'est ce qu'il te faut le plus. Je vais peut-être te mettre du sable. Hop, je vais mettre du sable. Alors j'aime pas parce qu'à chaque fois il met du sable fin que j'aime pas trop. Alors, tu vois, regarde, on va faire un aventure comme ça. Hop. 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 On a un peu grossier. Voilà. On va mettre un peu de terre. J'aime bien faire des styles un peu de chemin comme ça en terre, tu vois. Hop. Voilà. Bon, après, genre là, eux qui viennent de là, là. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dans mon parc, j'ai fait des chemins comme ça en terre. Juste pour le style, et ça. J'ai l'impression que c'est des trucs un peu plus utilisés. Ça leur crée un vrai chemin en fait, parce que c'est les chemins qu'ils utilisent réellement. C'est marrant. Hop. Voilà. Et après, on va partir vraiment sur l'arbre courte. Hein. Après, la roche, je suis pas fan de la texture de la roche, donc forcément, j'en mets pas. Pas forcément. Hop. Voilà. Ça, on fait ça proprement. En plus, c'est le truc qu'ils détestent le plus, et c'est le truc qui a le base en fait dans l'enclos, c'est génial. Hop. Voilà, vous allez vous sentir bien là-dedans, vous allez voir. Hop là. On va essayer en même temps de mettre un peu plus d'éducation pour les visiteurs. C'est un truc qui nous fait pas mal baisser la note en fait en général. Même si là ça remontait un peu, on voit que l'éducation en fait, l'éducation c'est ce qu'il y a de plus bas, tu vois. Après, soif, ce qui est étonnant c'est que ça soit haut aussi. Alors qu'en soit, la soif en général, quand t'as le resto debout, t'as les boissons avec, donc ça je ne sais pas trop comment c'est possible. Mais... Alors je ne sais pas où ils voient après de l'herbe longue dans l'enclos là. Et là, j'ai mis de l'herbe courte partout, les petits potes, là. Ah oui, effectivement, il y a des petites traces d'herbe longue qui ont persisté, là. Ok. Par contre, je vais peut-être t'en mettre du sable un peu là-haut, là. Ok. Ouais, tu vois, ils ont 5000 m² sur 800. Bon. Effectivement. J'avais pas l'impression que j'avais un truc si grand. Bon, après, j'ai envie de te dire, quand tu fais un milieu un peu naturel, je trouve ça mieux de faire quand même une zone beaucoup plus grande que des zones vraiment pile poil à la bonne grandeur, tu vois. Mais il reste encore. Non, mais attends, il reste encore de l'arbre longue là, c'est ça? Ah oui, là. J'ai trouvé d'herbe longue. Faut que je rajoute un peu de terre.
Moi, je peux faire des chemins un peu plus longs, un peu plus grands en fait. Hein. Voilà. Voilà. Après, est-ce qu'ils ont besoin d'un truc genre pour se rouler dedans ou des trucs comme ça? Que je comprends pas, c'est qu'ils me demandent des trucs pour escalader. Alors que j'ai regardé justement avant et c'est pas un truc que eux ils escaladent normalement. Ça vole un peu là, non? Ouais, j'ai l'impression. Parce que j'ai bien envie de leur mettre là le truc debout. Je sais pas si le fait que ça soit loin de là où il y a le. Où il y a le soigneur, c'est une bonne idée. Là, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Ah, mais en genre pour passant, je veux pas trop le mettre parce qu'en général, quand je le mets à chaque fois, ça. Toujours des petits problèmes. Non, à mon avis, il n'y a rien pour qu'ils se roulent en fait. Je vais peut-être juste en mettre un là, comme ça va les attirer près du chemin. Que je vous mette un pneu? Je vous mets un pneu si vous voulez. Hop! Parce que les trucs pour qu'ils structurent d'escalade. C'est de base dans le jeu ça? Hey, ça? En vrai, ça fait sympa. Je mets pile poil ça là. Là au milieu, je mets un arbre. En vrai, c'est kiffant. Bah attends, il y a des trucs qui sont. En fait, c'est préfait par le jeu ça. Ok, hey, je prends. Je prends. Hop! Pas trop mettre près du bord parce que sait-on jamais. Hop. Ouh, là il y en a un grand. Ah, dommage, j'aurais dû mettre celui-là là. Attends. Attends. Hop. Hop. Je mets le grand. Alors, c'était pas du tout celui-là. Ouais, je mets le grand ici là. Parce que j'ai pas envie de coincer le nounours en dessous là. Ok. Le semi-grand qu'on avait pris au début là, c'était celui-là, je crois. Ouais. On va le mettre ici. Il va me percher le nounours là, non? Il faudrait qu'il se dégage. Le problème, c'est qu'il va pas dégager en fait. Okay, c'est pas grave, je vais hop, le petit juste ici. Ah, le truc pour manger, je le décalerai un peu. La sonnerie ne peut pas accéder à. Ouais, attends. C'est ça aussi, faut que je modifie la zone de travail. Alors c'était orang-outan, c'est ça, modifier la zone de travail. Hop, je vais mettre lui avec. Ok. Ah, carrément. Par contre, le nounours, ouais, tu vas pas pouvoir décaler là. Optimisation. Ouais, t'inquiète, les optimisations arrivent, quoi, mon petit copain. Là, on était où? Sur ça. Ouais, après, regarde, on peut partir sur un peu de terre. Terre, la passer comme ça, regarde. Hop. Là, regarde, on fait un petit chemin comme ça. Vas-y, on rejoint comme ça. Il est encore là, lui. Ouais, il va pas vouloir bouger. Après, regarde, s'ils veulent de la roche, ce que je peux faire, c'est faire un petit tour comme ça en roche. Mais tu vois, j'aime pas la texture de la roche, en fait. Elle est trop. Trop moche. Voilà. Vas-y, comme ça leur met un peu de roche en fait. Sans que ça soit vraiment trop visible. Et vu qu'à côté on va mettre un peu d'arbres, ça se verra pas trop. C'est bon, là ils ont validé. Okay, est-ce qu'il y a des optimisations que je peux mettre autre que ce qu'ils ont déjà? Attends, je vais juste déplacer la boucle du coup. Déplacer. Au pire, je peux la mettre là. Okay. Je vais appeler Sonia pour qu'il vienne remplir la bouffe. Tu peux décaler s'il te plaît, Bobby? Parce qu'en fait, j'aimerais pas te coincer dans le truc en fait. Alors, nature, non. Il court ralenti. Ok. Nickel. C'est quel que je voulais mettre? C'était celui-là? Ouais, ça là. Je sais même pas s'ils vont s'en servir. Ah non, c'est celui qui est déjà là, pardon. C'est pas celui-là. Non?
Ouais. C'est peut-être un peu trop, non? Bon. Oh, mais je l'ai fait passer là, là, comme ça. Hop. Voilà. Bon, après, ils vont pas suivre le chemin, hein, bien évidemment. Par contre, je vais peut-être juste continuer l'aller. En attendant. Mais appuyez sur ça, avec ça. Juste pour avoir accès vraiment à tout l'enclos. Visuellement. Hop. Voilà. Ok. T'es où? T'es là. Optimisation, t'es toujours à 55%. Ah, en fait, c'est tout qui manque, c'est l'alimentation et le. J'avais mis un bloc de glace là. Et le bloc, c'est bon. Et après, c'est les trucs ludiques. Bon, t'as froid, ça fait partie des trucs ludiques. Alors après, je peux remettre des types d'arbres comme ça là. Pour eux, c'est, ça reste ludique, donc vas-y, on peut partir sans ça. Sac de viande. Oh, attends, pour mettre. Et pour la tirer en haut là. Regarde, on va le mettre là, là. Hop là. Ok. Et du coup, on n'a plus qu'à. Attends, je peux même le placer ici là. Ok. Ok. Bah voilà. Là on est plutôt bon. Le bâton carton, bon. Non merci. On peut mettre, c'est juste mettre nature. Les ils veulent quoi là? De nature. Biome tempéré, toundra. Vas-y, en tempéré, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en arbre sympa? En fait, moi j'aime bien les arbres un peu bien fournis en fait, tu vois. Mais haut en fait, parce que là c'est des petits arbres. Il était dans mon pote. On n'a pas de. Je suis pas fan de cet arbre en fait. Vas-y, attends, je vais mettre toutes les espèces. Je vais bien trouver un truc qui me plaît quand même. Attends, c'est bizarre ce que j'ai mis. J'ai mis plante, mais ça fait plus penser aux petites fleurs quoi. Mais vas-y, pourquoi pas. Non, sapin, non. Ah, quoique. Oh, quoique. Petit sapin comme ça. Est-ce que vous aimez bien? Ouais. Ouais. Ok. En vrai, la petite zone comme ça d'arbres, ça peut faire sympa. Une zone là-bas où on met que des arbres. Enfin, que des sapins. Enfin, ce type de truc là. Ok, et après là on modifie un peu de type d'arbre. Ça peut être sympa. Après il y a plusieurs. Voilà. Dans le même style, mais ouais. Bon, après tu vois là on peut partir sur un peu celui-là. Ouais, ils aiment bien. Hop. Tu vois, changement de lieu. Ouais, alors faut pas que je cache réellement tout parce que. Ouais, lui, je vais le mettre juste là, et après je vais faire un peu autour. Non, ça en est d'autres, ça? Non, c'est des. C'est des plantes qui sont à l'envers. Attends. Non, ok, je sais pas pourquoi ils sont dans ce sens-là, ça fait bizarre. Oh, regarde. Attends, j'ai juste un œil pour voir s'il n'y a pas des arbres un peu plus grands que ceux-là. Ah! Voilà! Là, on passe sur des arbres qui sont tout de suite palaises. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas escalader. Normalement, c'est pas censé escalader ce type d'arbre. Tu vois, trois environnements, oui et non. Et trois endroits différents et trois types d'arbres différents. Oh, ça peut être sympa. Bon, alors là, mon pote, on est plus sur des arbres, là, merci. Ah, si, on est sur des arbres, mais tu m'as compris. Hop, je vais descendre un petit chouïa. Hop, l'approcher un peu. Non, ouais, l'approcher un peu parce que j'ai pas envie qu'il soit si loin. Hop. Ok. Juste que j'arrive à trouver des petites plantations
Ok. Ah, parce qu'il est... Pardon, il est resté sur l'autre de tout à l'heure là-bas, ok. Ok. Ouais, j'arrive à trouver des trucs assez, assez sympas à mettre genre le long là, tu vois. C'est moche ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un bout de bois, mec. Enfin, c'est un bout de bois d'ailleurs. Ouais, sympa ça. Un petit coin, un petit coin. Mais attends, il, en fait, il le pose pas à radio en fait. Je me dis, mais... Ça, c'est peut-être un peu plus chiant à poser pour le coup. Je vous avoue. Ah, encore un animal s'est échappé. C'est dingue. Hein. Ah, mais il va se barrer tout seul de la cuisine, c'est bon. Ouais. On va pas paniquer à chaque fois qu'il y en a qui se barre. Hein. Je vous le dis quand même. En fait, je sais pas pourquoi ils arrivent à se barrer. Qu'ils faisaient pas dans les épisodes précédents, donc je ne sais pas. Attends, du coup, tu sais quoi, attendez, je vais mettre pause en attendant. Ah, voilà, sinon, on met des buissons. Ah, nickel. Regarde. Des petits buissons comme ça. Tout du long. Par contre, j'ai un peu merdé sur la... Attendez. J'ai un peu merdé sur la sur le positionnement des... Le truc, hein. Hop. Voilà, un peu plus joli comme ça. Voilà, merci. Ça fait mieux de le mettre au ras. Peut-être mettre un arbre ou deux. Après. Voilà. Est-ce qu'on fait le retour en haut? Je ne sais pas. Attendez deux secondes, je vérifie juste un truc. Bougez pas. Ouais, on est plutôt bien. On est déjà à 27 minutes d'enregistrement. On est plutôt bien. Voilà, regarde en haut. On peut mettre un petit arbre de ce style. Non, je voudrais... Ah, trop... Ah, trop... Non, non, trop gros. Lui, c'est pas... Ah, trop petit. En fait, j'aurais voulu... En fait, j'aurais voulu un arbre. Peut-être lui, allez. En fait, j'aurais voulu voir un truc vachement... vachement feuillu, en fait. Mais un peu compliqué à trouver, apparemment. Hop. Ah, vas-y, vas-y. On va suivre le long. Tout le long de la plage, enfin, la rue du sable, quoi, tu m'as compris. Hop. Parce que là, je suis dans l'arbre, du coup, voilà, jusqu'à là. Voilà, là, on est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a comme type de rocher, là? Ouais. Après les rochers c'est un peu plus compliqué à poser de façon rapide puisque attendez dans quel sens je veux le tourner comme ça hop. Puisque c'est pour aller poser en fait pour faire un truc propre et stylé c'est enfin, quoi qu'à voir après on n'a pas besoin d'en mettre 150 en fait hein. On va partir sur les trucs comme ça, basiques. Hop. Ok. Oh, peut-être... oh, pourquoi pas un petit truc plat comme ça, là. Je fais une base comme ça. Non, non, j'aime pas, il est trop... Il est trop... trop propre, en fait, comme caillou. Il était trop bien taillé en fait, voilà, genre comme ça. Hop. Vas-y, on en met un là, on en met encore un là. Là par contre, il faudrait que j'arrive à trouver des gros cailloux. Voilà. Oh, je peux le descendre juste comme ça. Ouais. Voilà, et après sur le côté, poser des petits.
Voilà. Non, ça fait trop bizarre là. En fait, ce que je voulais, c'était mettre des petits cailloux tout autour. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de petits cailloux en fait. Maintenant, ça me propose que des gros. Quand on cherche des gros, il te donne des petits. Quand tu cherches des petits, il te donne des gros. Hop. Merde, c'est pas là que je voulais poser en fait. Hein. Pas du tout. Hein. Alors, pas du tout, mec. J'ai l'impression d'avoir pris des cailloux qui sont plus de la même couleur. Hein. C'est génial. Pourtant, c'est à peu près le même style à chaque fois, mais. Hop. Ça fait bizarre si je pose deux fois le même là. Non, ok. Bon, c'est pas grave, on peut rester comme ça. Voilà. Tutulu. Voilà, regarde. Hop, hop. Voilà. Bon, un peu le même type de. Voilà. Bon, d'ailleurs, non, mais pas, c'est pas bien grave. Ah, voilà, genre, tu vois, un peu comme ça, là. Hop. Par contre, à l'avant, je vais peut-être les descendre un petit peu. Voilà. Alors, ça, c'est joli, ça. Non, ça, c'est. Tiens, bah, ouais, je comprends pas trop ce que j'ai mis, là. Hop. Alors, bah, ouais. Dans le même style, tu vois, un peu plantation au bord de l'arbre, là. Hop. Nickel. Qu'est-ce qu'on a de beau pour mettre ici là? Oh wow, des petits. Oh wow, il me propose directement au petit comme ça là. Nickel ça. Voilà. Voilà. Un petit parterre comme ça. Voilà, après le petit parterre. On va les poser un peu comme ça. Là. Hop. Ce que j'ai mis, voilà. Ok, et c'est un peu vide. Il me manquerait peut-être un arbre. Est-ce que j'ai un arbre sympa là? Ouais. Pas... Ouais, en fait, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas mis droit en fait. Mais c'est pas mis droit, hein, très clairement. Non. Oh, quoi que. Non, trop gros. Ah, mais tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Il me faudrait. Voilà, genre un or comme ça, mais pas avec les fleurs dessus là. J'aime pas trop là. Ça fait triste. Les deux pauvres branches sur ce truc. Ah, il y a un peu plus, ouais. Ouais. Pas du tout dans le style qu'on a déjà mis quoi. Hop, on peut planter 2-3 comme ça. Hein. Hop. Je sais pas d'où viennent ces plantes parce que c'est la première fois que je les vois ceux-là. Je sais pas. Mais du coup j'ai pas un arbre sympa parce que là en fait ça fait j'ai trop de styles différents après. Je vais juste le copier lui je pense. Artac et le gros comme ça. Pour mettre ici, ouais, et franchement, ça fait sympa. Hein. Ici, il manque, je trouve, il manque un truc. Là, il manque un peu de plantation aussi, je trouve. Parce que j'ai vu qu'il y en avait un peu. De... Voilà, regarde. Voilà, joli ça. Ça sera un peu ouais. Alors le problème c'est que il y a des trucs qui sont sympas mais tu vois ouais, on peut partir comme ça peut-être au milieu tac et remodifier un peu comme ça pour éviter qu'il fasse trop rond en fait parce qu'en fait tu vois ils t'ont donné un design du truc pour qu'en fait ça fait qu'il est rond puis ça fait bizarre après il était peut-être mieux rond que ce que je suis en train de faire là mais... Alors, je pense au milieu, tu sais, on met un petit rocher. Attends, c'est où le rocher? C'est là. Rocher dans ce style-là. Hop. On abaisse. On donne un tout petit style comme ça.
Ok. J'ai juste retrouvé un grizzly pour cliquer dessus là. Ok. Habitat, plante. Ah merde, j'ai un problème avec les plantes, je crois. J'ai mis des trucs qui sont pas adaptés pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai mis trop ou c'est parce que j'en ai pas mis assez? Ah, je crois que j'en ai peut-être pas mis assez. Ah, c'est peut-être possible. Je crois qu'il faut plutôt que je monte la barre à 100% en fait. Ah, c'est possible. Bah, sinon, attends, est-ce que j'ai des nufas? Est-ce qu'ils étaient ici, les nufas? Non, c'est des fougères. Bah, après, les fougères, je peux les mettre là-bas. Hein. Ouais. Bah, pas tôt que pour que ça monte, j'ai 57%, c'est pas énorme. Ah, vas-y, je fais le tour de l'arbre parce que j'ai commencé. Ok. Bon, dans ce cas-là, il faut que j'arrive à trouver un arbre qui fasse sympa ici en fait. Ouais, lui, du coup. Ah, du coup, soit ça fait bizarre que je mette un arbre, tu vois. Ah, mais du coup, j'ai plus mon. J'étais à 57, ouais, à 69, tu vois, déjà c'est un peu mieux. En fait, ouais, je pense qu'ils veulent beaucoup d'arbres, donc après, je peux peut-être en leur ajouter un ou deux là. Hop. Tiens, regarde, je vous rajoute un peu d'ombre. Hop. Et un grand sapin. Après, je peux faire un petit mélange, regarde. Repasser sur cela un peu ici. Hop. Voilà, ils sont déjà un peu mieux en fait ici. Je suis à 90. Ouais, le problème c'est que rajouter un arbre là, ça va faire un peu surcharger. Moi j'arrive à trouver un tout petit truc pour mettre ici là. Un bébé arbre. Un peu gros. Hein. Un peu gros, un peu gros. Les sapins, ouais, c'est... non, les sapins ça va être trop gros aussi. Non. Ah, on n'est pas dans le même style, hein. Je vois que ça manque un peu de fougère ici, là. Hop là. Ok. Ah, le problème, c'est que tu vois, si je mets un arbre là, en fait, ça te gâche un peu la vision que t'as du truc. Bon, en vrai, je pense que ça va. Hein. Voilà, ils sont pas à se plaindre. Hein. À 69%, c'est juste. Il peut descendre à 69 parce que le plus bas c'est 96-94. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est pas encore vite fait à jour. C'est possible. Ce qu'on va faire, c'est juste que je vais regarder au niveau de l'électricité. Ok, bah je peux mettre la télé jusqu'à là en fait. Qui me dérange pas forcément. La télé, hop là. Non, alors c'est pas la bonne touche. Ok, on va mettre les grizzly. Hop, au parlant d'ambiance pédagogique. Hop, sur les grizzly aussi. Pour l'instant, je peux le mettre à fond. Est-ce que j'en remets un là? Bah, je pense que vu qu'il s'arrête là, je vais quand même en placer un ici. Comme ça, je suis sûr. J'arrive pas à placer droit. Hop. Hop là. Là, vous avez un peu toute information pour les grizzlies. Hop. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre le haut-parleur en fait juste au-dessus de la télé. Je pense pas que ça soit dérangeant en vrai. Ok. Le fait que ça soit si peu haut, j'ai pas l'impression que ça soit grave. Alors, un animal est mort, on va appeler Beto. Ok, oui, je vais appeler Vérité Soigneur. Otari.
Ouais, ça, vas-y, sort tous les animaux de la des casses. Des casques, qu'est-ce que je te dis? J'ai pas mal d'animaux qui sont morts là en peu de temps là. Ok, je sais pas pourquoi il était dans une cage d'otari. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais juste récupérer mes trucs là, hop, récupérer les récompenses. Quel habitat est sale là? Ok, le veto il va arriver. Normalement j'ai deux veto, hein. Enfin deux. Deux soignants hein, pour cet enclos là, donc. Mais franchement, je trouve que là la zone grisée est sympa. Hein. Bon, après là ils sont en train de dormir, donc bon, il y en a qu'un qui dort maintenant. Ok, mais c'est vrai que qu'ils ont un endroit assez sympa. Il y a toutes les activités qui sont là, donc en général ils vont être assez proches du centre. Toujours le même. Ok. Voilà, faudrait que je déplace le mur invisible pour mettre derrière les cuisines. Comme ça, même qu'ils vont dans la cuisine, ça arrête de sonner pour rien en fait. Ah, parce que je pourrais leur mettre là aux visiteurs. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est là. Je vais peut-être leur mettre des bancs. Ok. Non, moi je crois qu'on était parti sur des bancs comme ça. Hop. Hop. On va leur mettre des poubelles. Ok. Alors on est bon. Pour l'instant, ils ont pas l'air d'être attirés par les grizzlies. J'ai bien l'impression. On a vu une famille venir, mais c'est tout. Aucun visiteur n'a vu cet habitat récemment. Très bien. Ils viennent ici au moins. Ouais, je mets en parlant ici là. Ouais. Ouais, ils disent quoi là? C'est pas fait pour admirer les orang-outans. Éducation 46%. Ok, ce qu'il faudrait que je fasse dans ce cas là, je pense qu'on va faire ça au prochain épisode. C'est de rajouter ici encore des restos toilettes, je pense. Puis on voit qu'ils sont qu'ils ont besoin de toilettes en étant ici. Après, vu que j'ai mis des restos là, un resto là, je vais le laisser pour l'instant parce qu'il fonctionne plutôt bien. J'ai pas envie de. Là. Ce que je peux faire, c'est faire tac. Tac. Une copie des deux. Ici, là. L'électricité, là où je l'ai mis, je suis sûr. Merci. Hop. Voilà. Faut juste que je passe le son. Ah, pas très fort le son, quoi. Ok. Ouais, le problème de température, ouais, ça malheureusement, quand il pleut ou quand il y a des températures basses. Je vais pas faire grand chose, moi. Je vais mettre le chauffage après. Ah, je peux remettre un peu de chauffage. Parce qu'entre tous mes animaux qui meurent et. Alors, un combat dangereux. Ok. Ok, ok, attends. Je sais pas du tout. Ok. Ça doit être par rapport à la mise à jour qui a été faite, ça. Nourriture disponible. Très peu. Ok. Vu que toi tu te bats. Tu te bandes. Ah ouais, mais attends. Et tu te bats avec lui. En fait, il me faudrait Kermal, c'est ça. Envoyer au centre d'échange. Ouais, parce qu'en fait, des fois, je dois me tromper et mettre là. Mettre tous les animaux en caisse ou les vendre. Enfin. Ok. Mais je pense qu'après, ouais, on se mettrait ici pour faire un peu des restos et tout ça, pour que les gens puissent aller aux toilettes et tout ça. Parce qu'après, là, ils sont pas trop attirés par la zone. Ils ont besoin d'aller aux toilettes, tu vois. Et donc, si je rajoute, je pense,
Donc on va manger, boire et d'aller aux toilettes. Ça va attirer un peu plus les gens, je pense. Du coup, nous, les petits potes, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. On a 7300 visiteurs, ce qui est pas trop mal. Du coup, nous, on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Allez, ciao tout le monde!